déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va piéger des voleurs de vélo. Donc pour faire simple, je vais accrocher un vélo à une corde reliée à un arbre. Et je vais laisser le vélo comme ça à disposition des gens pour voir s'il y en a qui me le volent. Bien entendu, ceux qui vont me le voler seront obligés de chuter. Et je pense que la chute sera fracassante et vertigineuse. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et bon visionnage à tous. Ciao. Que la vidéo commence. Voilà les gars, ça fait un moment qu'on attend. Franchement, on est ça fait un moment qu'on est là. Là, il y a un jeune qui passe, peut-être que non. Ah, non, il est au téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il est pas au téléphone, putain. Attends, il tourne autour du vélo, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ok, c'est bon. Faut pas qu'il voie la corde, 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 faut pas qu'il... Il a pas vu la corde, il a pas vu la corde, il a pas vu la corde. Bon les gars, ben là on attend encore un peu. Hein. On va voir si quelqu'un... Là, il y a un mec. C'est en train de me rendre fou. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, les comportements bizarres. Voilà, vas-y, prends-le. Et dégomme-toi la tronche avec. Vas-y, frère. Qu'est-ce qu'il fait? L'enculé. Oh, la gamelle. Il prend un coup. Pas mal de temps qu'on voit les gens tomber, c'est rigolo. Parce qu'entre temps, il y a au moins 20 minutes et les gens, ils captent pas, tu vois. Attention, là il y a un jeune, est-ce qu'il va nous prendre le vélo? C'est que des jeunes hein, depuis tout à l'heure, que des jeunes. Hop, ça regarde, ça s'arrête. C'est excellent s'il le prend, frère, c'est excellent. Excellent. Il le prend. Putain, faut pas qu'il voie la corde, gros, parce que putain, la corde elle est voyante quand même. Pourquoi il repart tout son courant juste? Bon là il commence à faire froid les gars, ça fait un moment qu'on est là, ça fait plus de 3 heures. Il y a un mec qui passe là, est-ce qu'il va le voler? Et putain prends-le bordel de merde, prends le vélo, voilà, prends-le. Excellent, allez c'est bon on a une prise. Mais pourquoi ils veulent prendre des vélos, ils ont la femme. Allez. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va lui dire, il a même pas hésité. Ok, il va se tuer. Oh! Oh! Bordel! Bordel de merde! Ah ah ah! Prends pas le vélo! Allez, il fait bientôt nuit là. Est-ce que tu penses qu'on a assez de prise, frérot? Ouais, je pense. Ouais? Oh putain. Il y a un mec qui fait du footing, frérot. C'est pas le mec au footing qui a volé le vélo. Il s'attire. Bâtard. Eh vas-y, descend. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu un chaussure. Vraiment, il fait nuit. Bon, là, il y a un genre de mec, on dirait l'habille en Père Noël ou en Sapin Noël, frère. Je sais pas en quoi il est habillé. Bon, il est toutes les couleurs, le type. Qu'est-ce qu'il fait? Putain.
Gros, attends, hors caméra, il fait demi-tour hors caméra. Et hop, le vélo. Putain, mais décidément, ce vélo, tout le monde veut le prendre, c'est incroyable. Vous voyez, les gars, comme quoi à Marseille, il faut laisser aucun vélo sans attache, sans rien. Les mecs, ils sont tellement débiles ici que ils regardent même pas si le vélo est attaché. Pourtant. Il va le prendre. Ouais, il le prend. Il regarde bien sa personne. Lui, il est plus discret que les autres, lui, tu vois. Non, mais je crois qu'il attend. Je sais pas ce qu'il attend, gros. Ça fait bien 2 minutes qu'il est sur le vélo, il a toujours pas pris. À mon avis, il attend de voir s'il y a une réaction, tu vois. Putain, il descend. C'est le pédale dans le vide, ça a déraillé. Ah, boum. Allez. Il est resté comme une crêpe par terre, ce sgeg. Oh, putain. Oh putain, excellent frère, eh, c'est la meilleure, c'est le meilleur moyen de punir des voleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va frère. Putain, c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais tournée frérot. Les gars, rien que pour ça, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager un maximum parce que là on a mis du temps. Oh putain, ok, il y en a encore. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il a compris qu'il y avait un os, fils de pute. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il a enlevé le nœud, frère. Oh, le mec, il a capté. Le mec, il a capté que c'était attaché. Il a enlevé le nœud pour prendre le vélo. Vas-y, bah on va attendre encore. Hein. Putain, dommage. Bon, là, les gars, on va pas tarder à rentrer. C'est la dernière. Si lui, il le prend pas, le vélo, on se taille. J'en ai marre. Franchement, j'en ai vraiment marre. Je suis fatigué. Ça fait des heures qu'on est là, frère. C'est bon. À un moment donné, il a plein les couilles. Ok. Putain, mais à Marseille, on a de la chance, c'est qu'il y a beaucoup de voleurs, tu vois. Allez, prends-le. Allez. Frérot, la corde, elle a pas lâché. Hey! Hey! On s'est fait niquer le vélo. Super. Bon, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Et j'ai même envie de vous dire à, allez, 15 000 likes, on fait une deuxième partie avec notre vélo. Parce que là, du coup, ben, on en a plus. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir la chaîne secondaire aussi, les amis. Il y a des vidéos tous les dimanches qui sortent. Et ben, moi je suis soufflé donc là, je vais aller me reposer. Je vous fais de gros bisous et rendez-vous mercredi prochain 18h pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.